ils sont quelques intimes du cardinal Panafieux à accueillir sa dépouille, à Marseille. Parmi eux, monsieur et madame Rigaud, l'ancien capitaine de port et diacre permanent engagé avec son épouse dans le diocèse, a très bien connu le cardinal Panafieux. Pour moi, le cardinal Panafieux, c'était quelqu'un qui avait confiance, qui faisait confiance et qui nous donnait confiance aussi. J'en garde un souvenir très ancré profondément dans mon cœur. Il a tout changé puisqu'il a appelé mon mari au diaconat permanent. Et je rends grâce pour ce ministère dans notre vie de couple et de famille. La messe de sa sépulture sera célébrée par son successeur comme archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier. Il salue les actions de cette grande figure de l'histoire du diocèse. C'était un pasteur qui a aimé l'Église, qui a aimé les gens, qui est resté toujours modeste et qui est toujours resté près de... qui n'a jamais mis de distance à cause de sa fonction. Peut-être le souvenir qui revient le plus fréquemment, c'est le grand rassemblement diocésain organisé au moment de l'an 2000. Il a créé des zones différentes et il a créé des manières de travailler en paroisse, en zone urbaine, de manière plus proche, pour constituer peu à peu quelques nouvelles paroisses. Le cardinal Panafieux sera inhumé ici, dans le caveau des évêques de la cathédrale majeure de Marseille. Ils ont guidé un troupeau, comme on dit, les diocésains, ils ont été à la tête d'une portion immense du peuple de Dieu. Donc ils sont ici pour bien montrer que ce souci, il emmène avec eux. Et que tout ce qu'ils ont tracé comme lien spirituel avec les prêtres du diocèse, avec les fidèles de ce diocèse, eh bien finalement reste conservé dans la dépouille de l'évêque qui est enterré là. Et on peut venir ici donc se recueillir, prier pour lui, rendre grâce. La messe de sépulture aura lieu ce vendredi à 15h dans la cathédrale majeure. Fidèles et personnalités locales sont attendus nombreux pour saluer une dernière fois un homme simple, discret et attaché au dialogue.